Welcome to the review of lessons 11 through 20. We'll just listen to each dialogue three times. I'm not going to be talking. It's just all absorption. De au travail. Tu es libre pour déjeuner aujourd'hui? Oui, avec plaisir. Je t'appelle vers midi, ça te va? Très bien. À tout à l'heure. On va déjeuner? Oui, d'accord. Je finis juste un rapport et j'arrive. Tu veux prendre un café? Non, désolée. Je ne peux pas, je dois retourner à mon bureau. J'ai une réunion. Deux, au travail. Tu es libre pour déjeuner aujourd'hui? Oui, avec plaisir. Je t'appelle vers midi, ça te va? Très bien. À tout à l'heure. On va déjeuner? Oui, d'accord. Je finis juste un rapport et j'arrive. Tu veux prendre un café? Non, désolée. Je ne peux pas, je dois retourner à mon bureau. J'ai une réunion. Deux, au travail. Tu es libre pour déjeuner aujourd'hui? Oui, avec plaisir. Je t'appelle vers midi, ça te va? Très bien. À tout à l'heure. On va déjeuner? Oui, d'accord. Je finis juste un rapport et j'arrive. Tu veux prendre un café? Non, désolée. Je ne peux pas, je dois retourner à mon bureau. J'ai une réunion. Deux, dans une entreprise. Société Reflex, bonjour. Bonjour madame, je voudrais parler à Daniel Rodin, s'il vous plaît. Oui monsieur, c'est de la part de qui? De la part de Frédéric Lemaître. Ne quittez pas, je vous le passe. Je suis désolée, son poste est occupé. Vous patientez? Vous voulez laisser un message? Non merci, je le rappellerai plus tard. Deux, dans une entreprise. Société Reflex, bonjour. Bonjour madame, je voudrais parler à Daniel Rodin, s'il vous plaît. Oui monsieur, c'est de la part de qui? De la part de Frédéric Lemaître. Ne quittez pas, je vous le passe. Désolée, son poste est occupé. Vous patientez? Vous voulez laisser un message? Non, merci, je le rappellerai plus tard. Deux, dans une entreprise. Société Reflex, bonjour. Bonjour madame, je voudrais parler à Daniel Rodin, s'il vous plaît. Oui monsieur, c'est de la part de qui? De la part de Frédéric Lemaître. Ne quittez pas, je vous le passe. Je suis désolée, son poste est occupé. Vous patientez? Vous voulez laisser un message? Non merci, je le rappellerai plus tard. Unité 20. Parler d'un besoin. Dans un nouveau bureau. Alors, de quoi avons-nous besoin? Alors, il nous faut
deux ordinateurs portables, une photocopieuse et un fax. C'est le minimum. Tu as besoin d'un téléphone mobile ? Oh, quelle question, bien sûr ! Tu me vois sans téléphone mobile ? Il faut aussi que nous demandions une connexion Internet à haut débit. Je passe mes journées à consulter le net. Ouais, il faut aussi créer un site Internet. Tu as raison. Il faut que je téléphone à Bruno, il a promis de nous aider. Unité 20, parler d'un besoin. Dans un nouveau bureau. Alors, de quoi avons-nous besoin? Alors, il nous faut deux ordinateurs portables, une photocopieuse et un fax. C'est le minimum. Tu as besoin d'un téléphone mobile? Oh, quelle question, bien sûr! Tu me vois sans téléphone mobile? Il faut aussi que nous demandions une connexion Internet à haut débit. Je passe mes journées à consulter le net. Ouais, il faut aussi créer un site Internet. Tu as raison. Il faut que je téléphone à Bruno, il a promis de nous aider. Unité 20, parler d'un besoin. Dans un nouveau bureau. Alors, de quoi avons-nous besoin? Alors, il nous faut deux ordinateurs portables, une photocopieuse et un fax. C'est le minimum. Tu as besoin d'un téléphone mobile? Oh, quelle question, bien sûr! Tu me vois sans téléphone mobile? Il faut aussi que nous demandions une connexion Internet à haut débit. Je passe mes journées à consulter le net. Ouais, il faut aussi créer un site Internet. Tu as raison. Il faut que je téléphone à Bruno, il a promis de nous aider. Unité 24, donner des instructions. 1. Au club de gym. Tendez les bras. Relâchez. C'est fatigant. Soufflez. Levez la jambe droite. Baissez-la. Vous allez faire le même mouvement 10 fois de suite. 10 fois? N'oubliez pas de souffler. Voilà. Ça suffit. Maintenant, allongez-vous par terre, les pieds au sol. Ça fait du bien de s'allonger. Je suis crevée. Nous allons faire quelques abdominaux. Oh non! Je veux voir des courbatures. Mais pourquoi est-ce que vous prenez des cours de gym alors? Unité 24, donnez des instructions. 1. Au club de gym. Tendez les bras. Relâchez. C'est fatigant. Soufflez. Levez la jambe droite. Baissez-la. Vous allez faire le même mouvement 10 fois de suite. 10 fois? N'oubliez pas de souffler. Voilà. Ça suffit. Maintenant, allongez-vous par terre, les pieds au sol. Oh, ça fait du bien de s'allonger. Je suis crevée. Nous allons faire quelques abdominaux. Oh non! Je veux voir des courbatures. Mais pourquoi est-ce que vous prenez des cours de gym alors? Unité 24, donnez des instructions. 1. Au club de gym. Tendez les bras. Relâchez. C'est fatigant. Soufflez. Levez la jambe droite. Baissez-la. Vous allez faire le même mouvement 10 fois de suite. 10 fois? N'oubliez pas de souffler. Voilà. Ça suffit. Maintenant, allongez-vous par terre, les pieds au sol. Oh, ça fait du bien de s'allonger. Je suis crevée.
Nous allons faire quelques abdominaux. Oh non! Je veux voir des courbatures. Mais pourquoi est-ce que vous prenez des cours de gym alors? Deux, dans un jardin public. Jules, viens avec moi, nous allons au parc. Allez, va jouer. Regarde, il y a Anaïs qui veut certainement jouer avec toi. Jules, viens jouer avec moi. Mets-toi là et puis je vais te lancer le ballon et tu vas l'attraper. Vas-y, lance-moi le ballon. Qu'est-ce que tu as trouvé dans le sable? Un vieux papier? Ne le mets pas dans ta bouche, c'est sale. Deux, dans un jardin public. Jules, viens avec moi, nous allons au parc. Allez, va jouer. Regarde, il y a Anaïs qui veut certainement jouer avec toi. Jules, viens jouer avec moi. Mets-toi là et puis je vais te lancer le ballon et tu vas l'attraper. Vas-y, lance-moi le ballon. Qu'est-ce que tu as trouvé dans le sable? Un vieux papier? Ne le mets pas dans ta bouche, c'est sale. Deux, dans un jardin public. Jules, viens avec moi, nous allons au parc. Allez, va jouer. Regarde, il y a Anaïs qui veut certainement jouer avec toi. Jules, viens jouer avec moi. Mets-toi là et puis je vais te lancer le ballon et tu vas l'attraper. Vas-y, lance-moi le ballon. Qu'est-ce que tu as trouvé dans le sable? Un vieux papier? Ne le mets pas dans ta bouche, c'est sale. Unité 22, excusez et s'excuser. Monsieur Catastrophe. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Ce n'est rien, monsieur. Il n'y a pas de mal. Je suis désolé d'être en retard. J'avais oublié la réunion. Ce n'est pas grave. Nous n'avons pas encore commencé. Louis ! Isabelle, au... Pardon, excuse-moi, je ne t'avais pas entendu. Madame. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Ce n'est rien, monsieur. Il n'y a pas de mal. Désolé d'être en retard, j'avais oublié la réunion. Ce n'est pas grave, nous n'avons pas encore commencé. Louis ! Isabelle, oh pardon, excuse-moi, je ne t'avais pas entendu. Unité 22, excusez et s'excuser. Monsieur Catastrophe. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Ce n'est rien, monsieur. Il n'y a pas de mal. Je suis désolé d'être en retard. J'avais oublié la réunion.
Ce n'est pas grave. Nous n'avons pas encore commencé. Louis ! Louis ! Isabelle, oh pardon, excuse-moi, je ne t'avais pas entendu. Unité 25, nier. Une mère et son fils. Mon chéri, c'est toi qui as cassé le plat noir ? Ben non ! Je n'ai pas cassé le plat. Oui. Et où est-ce que tu as rangé le paquet de bonbons ? Je n'ai pas pris le paquet de bonbons. Quel bonbon ? Il y a des bonbons ? Oh, c'est bizarre. Je ne trouve pas mon porte-monnaie. Où est-ce que tu as mis mon porte-monnaie ? Je n'ai pas vu ton porte-monnaie. C'est pas juste. Tu m'accuses toujours. Mais non, je ne t'accuse pas. Je te demande tout simplement. Unité 25, nier. Une mère et son fils. Mon chéri, c'est toi qui as cassé le plat noir ? Ben non, je n'ai pas cassé le plat. Oui, et où est-ce que tu as rangé le paquet de bonbons ? Je n'ai pas pris le paquet de bonbons. Quel bonbon ? Il y a des bonbons ? Oh, c'est bizarre, je ne trouve pas mon porte-monnaie. Où est-ce que tu as mis mon porte-monnaie ? Je n'ai pas vu ton porte-monnaie. C'est pas juste. Tu m'accuses toujours. Mais non, je ne t'accuse pas. Je te demande tout simplement. Unité 25, nier. Une mère et son fils. Mon chéri, c'est toi qui as cassé le plat noir ? Ben non, je n'ai pas cassé le plat. Oui, et où est-ce que tu as rangé le paquet de bonbons ? Je n'ai pas pris le paquet de bonbons. Quel bonbon ? Il y a des bonbons ? Oh, c'est bizarre, je ne trouve pas mon porte-monnaie. Où est-ce que tu as mis mon porte-monnaie ? Je n'ai pas vu ton porte-monnaie. C'est pas juste. Tu m'accuses toujours. Mais non, je ne t'accuse pas. Je te demande tout simplement. Unité 26. Invité, accepté, refusé. 1. Entre voisins. Bonjour, nous sommes les nouveaux locataires du 5e étage et nous organisons un apéritif vendredi soir pour connaître nos voisins. Vous êtes libre ? Oui, c'est une bonne idée de faire ça. C'est gentil de nous inviter, je viendrai avec plaisir. Est-ce que je peux apporter quelque chose ? Non, merci, ce sera très simple, vous savez. Et vous, monsieur, vous pourrez venir ? Je suis vraiment désolé, je ne serai pas là vendredi. C'est dommage, parce que votre invitation est très gentille. Une autre fois, j'espère. Unité 26, invité, accepté, refusé. 1. Entre voisins. Bonjour, nous sommes les nouveaux locataires du 5e étage et nous organisons un apéritif vendredi soir pour connaître nos voisins. Vous êtes libre ? Oui, c'est une bonne idée de faire ça. C'est gentil de nous inviter, je viendrai avec plaisir. Est-ce que je peux apporter quelque chose ? Non, merci, ce sera très simple, vous savez. Et vous, monsieur, vous pourrez venir ? Je suis vraiment désolé, je ne serai pas là vendredi. C'est dommage, parce que votre invitation est très gentille. Une autre fois, j'espère. Unité 26, invité, accepté, refusé. 1. Entre voisins. Bonjour, nous sommes les nouveaux locataires du 5e étage et nous organisons un apéritif vendredi soir pour connaître nos voisins. Vous êtes libre ? Oui, c'est une bonne idée de faire ça. C'est gentil de nous inviter, je viendrai avec plaisir. Est-ce que je peux apporter quelque chose ? Non, merci, ce sera très simple, vous savez.
Et vous, monsieur, vous pourrez venir ? Je suis vraiment désolé, je ne serai pas là vendredi. C'est dommage, parce que votre invitation est très gentille. Une autre fois, j'espère. Unité 23, téléphonez. Un ami téléphone. Oui, allô ? Bonjour madame, est-ce que je pourrais parler à Guillaume s'il vous plaît ? Oh, je suis désolée, Guillaume n'est pas là. Je peux prendre un message ? Oui, je suis Vincent, un copain de fac. Est-ce que Guillaume peut me rappeler sur mon mobile ? Il a votre numéro ? Oui, oui. Bon, d'accord, je lui dirai. Merci madame, au revoir. Unité 23, téléphonez. Un ami téléphone. Oui, allô ? Bonjour madame. Est-ce que je pourrais parler à Guillaume, s'il vous plaît ? Oh, je suis désolée, Guillaume n'est pas là. Je peux prendre un message ? Oui, je suis Vincent, un copain de fac. Est-ce que Guillaume peut me rappeler sur mon mobile ? Il a votre numéro ? Oui, oui. Bon, d'accord, je lui dirai. Merci, madame. Au revoir. Unité 23, téléphonez. Un ami téléphone. Oui, allô ? Bonjour madame, est-ce que je pourrais parler à Guillaume s'il vous plaît ? Oh, je suis désolée, Guillaume n'est pas là. Je peux prendre un message ? Oui, je suis Vincent, un copain de fac. Est-ce que Guillaume peut me rappeler sur mon mobile ? Il a votre numéro ? Oui, oui. Bon, d'accord, je lui dirai. Merci madame, au revoir. Unité 21, saluez et présentez. Dans la rue. Tiens, bonjour Noémie, ça fait plaisir de te voir. Ça va ? Oui, bien. Merci. Et toi ? Pas mal, merci. Tu vas au travail ? Oui, je vais prendre le bus. Au fait, vous connaissez ? Non. Alors, voici Léo, mon voisin. Noémie, une ancienne collègue. Bonjour. Eh bien, mon bus arrive. Je vous laisse. Bonne journée et à bientôt. Au revoir, à la prochaine. Dis bonjour à Renaud de ma part. Unité 21, saluez et présentez. Dans la rue. Tiens, bonjour Noémie, ça fait plaisir de te voir. Ça va ? Oui, bien. Merci. Et toi ? Pas mal, merci. Tu vas au travail ? Oui, je vais prendre le bus. Au fait, vous connaissez ? Non. Alors, voici Léo, mon voisin. Noémie, une ancienne collègue. Bonjour. Eh bien, mon bus arrive. Je vous laisse. Bonne journée et à bientôt. Au revoir, à la prochaine. Dis bonjour à Renaud de ma part. Unité 21, saluez et présentez. Dans la rue. Tiens, bonjour Noémie, ça fait plaisir de te voir. Ça va ? Oui, bien. Merci. Et toi ? Pas mal, merci. Tu vas au travail ? Oui, je vais prendre le bus. Au fait, vous connaissez ? Non. Alors, voici Léo, mon voisin. Noémie, une ancienne collègue. Bonjour.
bien, mon bus arrive. Je vous laisse. Bonne journée et à bientôt. Au revoir, à la prochaine. Dis bonjour à Renaud de ma part.